Now, ladies and gentlemen, Lions Fighting Championship, sponsored by Bergza and brought to you by RTN and Electrosecurity. Now inside the cage, three-minute rounds of professional kickboxing in the heavyweight division. We introduce first the blue corner, standing 188 centimeters tall and weighed in at 98.7 kilograms. As a professional, he has 20 career victories, 14 by way of KO against 6 defeats. Representing Energy from Betola, Macedonia, presenting Alexander Dimoski. Alexander Dimoski, c'est un nom très commun hein, dans les pays de l'Est, notamment en Russie, un peu le Jean Dupont des pays de l'Est. En face de lui, Mohamed Amin. A career 23 victories, 12 by KO against 2 defeats. Representing Hammersham and fighting out of Morocco, presenting Mohamed Amin. Mohamed Amin. Même pas confondre avec un autre pro de hockey dans une catégorie bien plus légère chez les Lions. Mohamed Amin, l'autre Mohamed Amin qui est espagnol. Mohamed Amin qui regarde son adversaire droit dans les yeux. Oh oui. Il ne lâche pas du regard depuis tout à l'heure. Mohamed Amin qui a déjà combattu là où le K1 est né, hein, du côté du Japon, au Nippon FC notamment. Il est jeune et il a faim. C'est comme ça qu'il se présente lui-même. Mohamed Amin, en face de lui, on a un garçon, donc le Macédonien, qui s'entraîne du côté du KBK Energy en Macédoine. Un pays comme beaucoup dans les Balkans qui voit pas mal de champions émerger. On pense aux champions du K1, on pense en Muay Thai aussi, Nenad Pagonis, Daniel Stefanowski notamment. Allez, on va toucher les gants, ouais, parce qu'on était bien obligé de le faire, demandé par l'arbitre de cette rencontre, Jérôme Restelli. Et on est parti pour 3 minutes, une première reprise de 3 minutes. On rappelle, hein. On a deux combattants avec les mains hautes. C'est vrai que là, on est sur un combat poids lourd. Un coup suffit pour mettre KO définitivement son adversaire. Voilà, des low kicks qui sont puissants. Et là, en revanche, on va en voir des vrais low kicks. Hein. Ah oui, voilà. Là c'est une arme qui est vraiment utilisée dans le K1 avec les genoux directs aussi. C'est vraiment une... Point de règlement, Cédric, les coups de genoux sont saisis. Hein. Alors, les coups de genoux sont saisis, on a droit à 3 secondes de saisie maximum. Donc, on peut saisir son adversaire, mettre un ou deux genoux, il faut relâcher tout de suite. Et ça, forcément, l'arbitre international qui est Jérôme Restelli sera extrêmement vigilant sur cet aspect. Et il n'y a pas que les low kicks hein, qui vont être envoyés très fort, les middle aussi. On essaye de faire partir les hanches très fort et ça tape. Ça claque pour l'instant du côté des jambes. Hein. Alors, ils sont dans la catégorie poids lourd, mais pourtant ils sont vraiment dans le bas de cette catégorie poids lourd au niveau poids. On en a un qui est à 90 kg, le tac, 97. Enfin, chez les poids lourds, on a, notamment dans le K1, on a des types qui atteignent facilement les 110-120 kilos. Bonjour Mirko Krokop, par exemple. Et puis pour certains qui font autour de 2 mètres. Ouais. Donc là, c'est aussi impressionnant que compliqué à combattre. Oui, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on a des garçons, certes, ils sont grands, mais ce ne sont pas parmi les plus grands de la catégorie, ni les plus grands, ni les plus lourds, ces gens-là. Ils ont vraiment plus des morphologies et des poids de lourds légers, en fait. De moins de 93 kilos. Et on voit sur le bras d'Alexander Dimoski que les kicks ont déjà touché, hein, les kicks de Mohamed Amin. Travail de middle qui fait bien son travail. Mohamed Amin qui boxe parfaitement en ligne, qui vraiment prise son adversaire, en fait, qui le prend en ligne de mire pour pouvoir envoyer ses frappes de la manière la plus efficiente possible, et ça marche. Et il a le contrôle en plus hein, de ce ring octogonal, on peut l'appeler du coup comme cela. Voilà, il prend le milieu, là on le voit vraiment très bien enchaîné. Avec ce qu'on appelle l'enchaînement corps-face, donc il envoie au corps des points remontent au visage, il le fait très très bien. Qui en plus a une belle boxe en ligne, qui a une jambe avant, mais pour le coup qui passe en jambe arrière, donc en fait il fait ce qu'on appelle un step, il change de garde très rapidement pour envoyer un coup de pied du côté gauche d'une manière très puissante. Et ça, quand c'est bien fait, c'est magnifique et ça cause de gros dégâts. Hein. Tout à fait, parce KO, comme ça. On a des points vitaux, donc le foie qui est sur le côté droit, donc qui est exposé à la jambe gauche de l'adversaire. Et oui, peut-être hein, la différence pour vous qui êtes avec nous depuis le début de la soirée, avec les combattants de MMA, on a une garde beaucoup plus haute,
On a plus le côté boxeur, j'ai envie de dire, hein, qui ressort de ces artistes de K1 que chez les combattants MMA. Boxe différente, évidemment, parce qu'on est sur un sport différent. Première reprise qui est évidemment passée très vite. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Cédric, hein, le K1, où on a raccourci les temps de fight. On est en 3x3 parce qu'on veut aussi du spectacle. On veut que ça aille vite. On veut que ça aille vite, on veut que ça attaque. Fin de cette première reprise intéressante avec un travail des jambes, hein, d'un côté comme de l'autre, et un avantage pris par le Marocain. Est-ce que vous partagez cet avis, Cédric ? Je le partage, oui. Il a fait un beau travail, surtout. Il enchaîne beaucoup les poings et les jambes. Et ça permet de marquer des points. Le team Momine et le Maroc qui suivent l'évolution de ce combattant. On disait qu'ils sont pas très grands. Bon, il fait quand même un 93. 91 kilos sur la vingtaine de combats qu'il a disputés. Plus de la moitié ont été terminés avant la limite. Et du côté des Pays-Bas aussi, on va suivre ce garçon au plus près. Il y a beaucoup de combattants marocains en fait qui boxent sous les couleurs du Maroc, mais qui en fait vivent en Hollande. Oui, Belgique, Pays-Bas, les pays du Benelux. Beaucoup Hollande, oui. L'autre terre du Muay Thai. Notamment Badrari qui est une idole au Maroc, mais qui en réalité est hollandais. Début de la deuxième reprise entre Mohamed Amin et Alexander Dimovski. Avantage pour l'instant pris par le combattant au short noir, par le Marocain vivant aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, on disait, une véritable terre de sport de combat, même si les Français n'ont rien à apprendre, notamment au Muay Thai de nos amis. Superbe coup de pied retourné qui a touché, sans pour autant ébranler Dimovski. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins ça marque des points. Ça marque des points, ça fait le spectacle aussi. Alors, coup là où il ne faut pas. Coup bas, on va attendre quelques instants. L'intelligence aussi d'un arbitre qui a l'habitude d'arbitrer des rencontres internationales. Jérôme Westelli, qui on voit l'un et l'autre de ses combattants de chaque côté de la cage. On va dire prendre des nouvelles de Mohamed Amin. Pas de soucis, on va repartir. Voilà, c'est bien. On touche les gants, il faut se remettre dans le bain. C'est jamais évident. Et ça, parfois, c'est aussi un peu un jeu de malice, hein, lorsqu'un combattant est en difficulté, d'aller essayer de jouer avec la ligne jaune. Moi, mesdames, qui là, on voit un change de garde pour essayer de préparer cette fameuse jambe gauche qui touche, qui fait mal. Alors, après le coup de pied retourné, il vient de nous tenter le coup de poing retourné, le back fist. Mais vraiment, c'est très bien ce qu'il fait, parce qu'on voit rarement une frappe isolée. C'est-à-dire qu'il met un point, derrière il met une jambe, ou alors il met une jambe et derrière il enchaîne avec les points. Et ça, c'est un petit peu la clé du pied-point et du K1. Enchaîner pied-point, point-pied. Les low kicks qui passent d'un côté comme de l'autre, on ne le défend pas forcément très bien en revanche. Non, ça bloque ça pas. Passe, hein. Chez les lourds, ça fait rapidement des dégâts. C'est un travail différent, justement, sur les low kicks du côté de Dimovski. Crochet extérieur, puis intérieur. Et la réponse au point de la part de Mohamed Amin, qui envoie le crochet derrière. Allez, cette deuxième reprise qui prend un autre tournant à présent. Allez, le bon travail, le kick intérieur pour Amin. La réponse plus timide du Macédonien. On est dans le à toi à moi. Mohamed Amin qui travaille au corps. Chose que ne fait pas Dimovski. Et la preuve, il est remonté ensuite à la face. Travaille d'abord au foie. Derrière les points, les crochets qui s'enchaînent. Je pense qu'on a vraiment des gens qui viennent du kickboxing, parce qu'on n'a pas vu un coup de genou depuis le début du combat. Très peu. Il a essayé quand même, Mohamed Amin, en première reprise. Bon, ça c'était compliqué, en revanche, attention à ne pas trop s'enflammer, même si évidemment on est là aussi pour le spectacle. On sent en tout cas, c'est lui qui domine le combat, le Marocain. Il est au centre de la cage, son adversaire qui tourne tout autour. Dimovski qui envoie aussi des low kicks depuis tout à l'heure, qui touche. Il faudrait faire attention que ça ne commence pas à émousser Mohamed Amin. Oh. Joli contre, on l'a entendu résonner dans toute la salle. Oh oui, très bel enchaînement. D'autant c'est vrai que ce soir, le public suisse est plus spectateur que supporter. Hein. Ils sont très calmes. Ils sont vraiment... presque scolaire. On aimerait bien, pourquoi pas, un peu plus d'ambiance. Peut-être que ces combattants nous en donneront dans une minute pour le début de la troisième reprise. Deuxième reprise, comme vous disiez, hein, Cédric, où on s'est donné à toi, à moi, avec, on a quand même l'impression, encore une fois, un avantage pris par le combattant qui a le plus proposé, le plus donné. Un petit avantage parce qu'il a mis un petit peu plus de middle, mais sur la fin du round, on a quand même vu pas mal de low kick de la part de Dimovski.
C'est un round qui a été quand même un petit peu plus équilibré. Il va falloir pour Dymovski trouver la solution dans la dernière reprise, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce qu'on a tendance à penser que la victoire et le lever de bras pourraient revenir au clan Mohamed Amine. Mohamed Amine qui enchaîne surtout plus vraiment les deux points et les jambes, ça c'est important, ça marque des points. Ces enchaînements. Il y a un garçon qui aurait pu nous parler parfaitement du Marocain qui évolue aux Pays-Bas, c'est Johan Kongolo, champion du Glory, que l'on salue, qui a notamment été un sociétaire de la Fight Move Academy de Nelson Carvalho. Il y a quelques temps, il était là, s'entraîner du côté de Neuchâtel, et qui connaît très très bien ce garçon. Et qui depuis a fait son chemin pour devenir champion du Glory. Oh oui, pas qu'un peu d'ailleurs. Donc, le Kongolo. Le Glory, pour la petite histoire, c'est l'organisation qui a remplacé le K1. Et eux, par contre, ils font strictement du pied-point. Ils ne font pas de MMA pour le moment. Non, bien qu'ils soient associés avec le Bellator, on se souvient, le Glory. Il y a eu un événement partagé avec une cage de MMA sous licence Bellator et le Glory qui faisait. Dans la même salle. Voilà, qui faisait du K1, du kickboxing sur un ring. On y viendra peut-être. Allez, bon travail. Qui a touché en début de round. Bon travail, Mohamed Dimov qui dit grimacer. Ce qui est intéressant dans le travail du combattant marocain, c'est qu'il arrive à descendre, à remonter, comme ça il n'est pas uniquement focalisé sur la face comme peut l'être le Macédonien. Oui, il a vraiment une belle capacité à varier les surfaces de frappe. Et c'est ce qui pourrait faire aussi la différence auprès des juges, cette variété de coups multiples. Pour Momine, oui. Très jolie remise avec le bras arrière. Belle phase d'anglaise de Dymovski. C'est vrai qu'il arrive à envoyer les pieds juste derrière. Sauf que c'est bien lu. Hein. C'est bien lu par. Oui, parce qu'il a un petit peu tendance à. Par Amine. Quand il boxe avec les poings, il n'envoie pas les jambes derrière. Du coup, il a du mal à vraiment surprendre. En revanche, on sent, même si on est avec des gants plus gros que ce qu'on voit depuis le début de la soirée, que si ça touche, ça peut faire très très mal. D'où la garde bien haute, bien hermétique des deux garçons. C'est ce qu'on louait déjà à la fin de la première reprise, le travail de boxe pure de l'un et l'autre qui fonctionne plutôt bien. Et la défense aussi. Hein. Bien sûr. La défense est bonne. La défense, bon. Par contre, ils ont tendance à pas beaucoup bloquer le kick. Non, je parle vraiment de la boxe. Hein. Demain les deux vont avoir du mal à marcher. Hein. Je crois pas que ce soit demain où ils vont aller faire un job du côté du lac. On s'en rend pas encore forcément compte avec les shorts longs, mais c'est vrai que ça doit quand même commencer à rougir. Alors pour l'instant le corps est chaud, donc on s'en rend pas compte, pardonnez-moi, même pour les combattants. Oh, ça c'est difficile, encore une fois on a un peu tenté l'impossible avec ce coup de pied retourné qui est passé très très loin. On a du mal à jauger un petit peu de la distance et surtout de la position de l'adversaire du côté de Mohamed Amine, mais il tente des choses et c'est ce qui pourrait faire la différence, la remise de la part de Mohamed Amine. Tiens, donc on a tenté le genou, mais on a vu que c'est passé quand même très loin. Coup d'intimidation en tout cas. Mohamed Amine qui met beaucoup la pression avec son attitude en fait, qui arrive à imposer ça à son adversaire, mais il ne faut pas non plus s'y méprendre. On a un Dymovski qui tourne beaucoup, donc il donne l'impression d'être sur la défense, et pourtant, sur ce dernier round, c'est lui qui frappe. Allez, la fin de cette troisième reprise, Mohamed qui tente encore des choses, encore une fois, Mohamed qui extérieur, ça passe. Qui commence à baisser de round, alors il a peut-être justement été un petit peu émoussé par ses low kicks qu'il a pris. Il a vraiment plus de mal à se déplacer. Vous avez vu l'avant-bras de Mohamed Amine qui a laissé tomber complètement derrière la garde très très basse. Dymovski qui est en train de finir fort. Et on va sans doute en terminer là-dessus. Il a sorti la langue, Mohamed Amine, parce qu'il est épuisé, il a beaucoup donné. Fin de combat, salutations entre l'un et l'autre. Très joli combat avec un bel engagement et Dymovski qui est revenu dans cette fin de combat. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour lui pour inverser la tendance qui tend à penser que Mohamed Amine puisse s'imposer sur ce 3x3 rounds? On va voir dans quelques instants la décision des juges auprès de Booba Johnson qui va nous l'annoncer. On est en train évidemment de recueillir les cartes d'un côté comme de l'autre. Ah, en tout cas, c'était déjà sympa de pouvoir avoir du kick, pour avoir du K1 dans une cage de MMA. C'est bien, ça fait du bien, les mœurs évoluent, ça permet en profiter. Ça permet justement de varier un petit peu les plaisirs et puis de montrer au public différentes formes de combat.
Et encore une fois, à ceux qui découvriraient pourquoi pas les sports de combat, on rappelle que la cage n'est absolument pas là pour le spectacle, même si involontairement elle y sert, j'ai envie de dire, au show, mais c'est vraiment pour la sécurité des combattants. Et si on avait été sur un ring pur et dur avec des cordes, eh bien rien ne dit qu'on n'aurait pas été travaillé à côté des cordes et qu'on passe de l'autre côté. Alors sur le MMA surtout, et par contre vraiment en K1, je pense que le fait qu'il y ait une cage, ça change pas mal de choses, parce que comme c'est un sport pied-point qui se pratique à la base sur un ring, on peut jouer avec les cordes, on peut se mettre dans les cordes, faire exprès de se mettre dans les cordes pour un petit peu rebondir et réattaquer. Ça, c'est une chose qu'on peut pas faire dans la cage. Là, le rebond dans une cage MMA est beaucoup plus difficile, hein. C'est presque impossible. Dans une cage de MMA, quand on se fait coincer dans une cage en pied-point, on a plus de mal à se sauver. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Mohamed Amin a décidé de garder le contrôle de la cage vraiment au centre. Hein. On l'a vu son adversaire tourner autour de lui, mais sans aller vers l'extérieur. On y va pour la décision de ce combat. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to your judges' decision. Scoring about 29-28, 30-27, 30-27. Declaring your winner by unanimous decision in the red corner, Mohamed Amin. 3-2 des 3 juges remportés par Mohamed Momin Amin. 1 du côté d'un des juges pour Alexander Dimsa Dimolski. Victoire somme toute logique. Avec un combattant qui a été plus impressionnant, j'ai envie de dire, même si Dimolski n'a rien à se reprocher quasiment, il aurait fallu faire un petit peu plus pour lui pour inverser la tendance. Là, il a un petit peu plus subi le combat, et puis on a surtout eu Mohamed Amin qui a plus varié sa boxe. Je pense que c'est là-dessus qu'il a marqué les points. Alors le K1, on en reparlera hein, dans quelques minutes avec Jason Macedo face à Bruno Pinheiro notamment. Et puis le main event de cette soirée, c'est quand même assez incroyable à dire, mais dans un gala, dans une soirée MMA, le main event, le combat principal, le dernier combat de la soirée, oppose Jason Calambe à Milan Kubin, c'est un combat de K1. Eh oui. Comme quoi, mais bon, on en revient vraiment sur les bonnes bases des grands galas qu'on a eu à un certain moment où justement le K1 mélangeait le MMA et les règles K1. Ça faisait des événements magnifiques. Hein. Moi, c'est vraiment, je me rappelle du K1 Dynamite. C'était très beau, on a eu des très très beaux combats. Ah bah ce soir, vous êtes servis, vous qui nous suivez à la maison, sur internet, sur les médias qui diffusent cet événement, parce que vraiment, on assiste à un très très beau gala. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, encore une fois, en répondant présent à l'appel d'Emerson Carvalho de la Fight Move Academy à l'occasion de ce Lion, si on le dit façon British, ce Lion CFC 7ème édition. Et nous, on va reprendre le rythme du MMA, on va repartir hein, sur un classique 3x5 avec dans quelques instants la confrontation Feezer entre Roman Bolodige et Sébastien Di Franco. Et je peux vous garantir que là aussi ça va aller très très vite entre deux garçons chez les 66 qui vont nous offrir sans doute un très très bon spectacle.